Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, vous êtes les bienvenus dans cette formation. Cette formation de certification des produits d'Awa. Donc, le programme de cette formation est le suivant. Alors, nous allons commencer par une promotion des produits IP. Deuxième présentation, ça sera sur les produits thermiques. Après, on passe vers les produits d'interphone vidéo pour savoir la nouveauté des produits d'Ahua, donc tout ce qui est interphone, tout ce qui est solution immeuble, solution résidentielle et solution villa. Et par la suite, nous allons voir les solutions ou bien les produits d'affichage et de contrôle d'affichage. Donc, ça, ce qui concerne la première journée de cette formation. Donc, la deuxième journée, ça va être. On a vérifié d'avant. C'est un problème, dit la connexion. Test. Test. Test, test. Donc, municipal search, on a un dimsien. Je viens connecter en 4G. Test. 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 OK. Donc, le son rang vient d'avant. Il a quand je pense que c'est un problème de connexion. D'accord. Donc, la présentation d'Yana. Donc, ce qui concerne la première journée. Donc, la première journée, je connais toujours la promotion des produits d'avant. La deuxième journée, ça va être des formations sur différents thèmes ou bien différentes fonctionnalités des produits d'avant. Et ça va être une formation pratique, donc pour savoir tout ce qui est technique, d'ordre technique. Donc la première formation, ça va être autour de la reconnaissance faciale. Quelles sont les recommandations pour l'installation des produits et aussi la configuration et le paramétrage. Donc la reconnaissance faciale, l'ANPR, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et la protection périmétrique. La deuxième formation, ça sera autour du comptage des personnes, détection des fumeurs et détection des appels. La première, donc le comptage des personnes, c'est avec une caméra spéciale. Et la détection des fumeurs et d'appels, ça sera avec une caméra thermique. Donc la troisième formation, ce sera une formation sur le système d'interphonie vidéo. Et la dernière, c'est une formation sur le contrôle du mur d'image. Alors, le contrôle à travers des décodeurs ou bien des matrices de décodage, etc. D'accord. Donc, à la fin de cette formation, vous allez passer un test d'examen. Donc, vous serez examiné dans dans tout ce que nous avons vu à peu près, sous forme de questions QCM. Et des questions vraies ou faux. Le total que vous devez avoir pour passer ce test, donc c'est 80 points sur 100 points. N'ayez pas peur parce que c'est des informations, les caméras d'inchauffement, Inch'Allah, de la formation. Par la suite, il est toujours charmant, je m'en ai donc automatiquement, vous avez un certificat
اتاكم من دهو وغادي تكون يعني ريكونو انترناسيونالمون وداخله حتى في لو سيت ويب دونك فو بوفي بار لا سويت تقدروا تشيكيو السيرتيف ديالكم في لو سيت ويب اوفيسيال ديال دهو داكور دونك بالنسبه للي كيسيون كاين شي مشكل عندك في الصوت كيتقطع دونك انا داير لو تيست ديالي دابا كونيكتي افيك مون بي سي افيك واي فاي اي مون بورتابل افيك 4 جي وكنسمع مزيان دونك جو بونس سي ان بروبليم دو كونيكسيون شي و دونك عندكم مشكل واقيلا في الصوت عندكم مشكل في لا كونيكسيون بلوت كتسمعوني مزيان شي واحد يكونفيرمي لي عافاك واش كتسمعو مزيان حيتاش انا درت لو تيست دونك الصوت كيتقطع دونك جو بونس سي ان بروبليم عندك سي ياسين سي ان بروبليم دو كونيكسيون جو بونس باسكو انا مكونيكتي لو بي سي ديالي افيك واي فاي اي مون بورتابل افيك 4 جي وكنسمع مزيان دونك سي ان بروبليم دو كونيكسيون الوغ نبداو ان شاء الله بلا بروميير بريزونطاسيون جوست partager le PowerPoint. Donc, on commence par la formation sur la promotion des produits IP. JDED, l'Ikenin Antawa. Donc, c'est la nouvelle caméra IP stratégique. Alors, pendant cette présentation, nous allons voir quelle est la tendance technologique. Donc, l'IFR et l'Inchofo, tout ce qui est l'intelligence artificielle inclusive chez Dahua. Les produits d'intelligence artificielle full color, donc en couleur. Fusion intelligente, donc tu peux activer plusieurs fonctions de l'intelligence artificielle en même temps. L'intelligence artificielle avec multicaméra et la mise à niveau de la technologie d'image. Pendant la deuxième partie, ce sont des produits généraux. Et bien sûr, on a dit qu'on fait une présentation à les systèmes des produits et introduction des nouveaux produits. Et la troisième partie, ça sera autour des produits spéciaux, donc un aperçu sur les produits en général, des produits anti-déflagrants, des produits AI, donc c'est des produits d'intelligence artificielle et de systèmes de positionnement. Donc, en une chauffe par la suite. Les produits radar pour la détection périmétrique ou bien la protection périmétrique. Et finalement, c'est la partie énergie solaire ou bien des caméras qui sont alimentées par l'énergie solaire. Alors, on commence par la première partie, c'est la tendance technologique. Donc, donc la tendance technologique de 2020. Donc, nouvelle caméra IP stratégique. 5 tendances futures. Donc voilà la tendance future. Les caméras de Dahua, radicalement équipées par la suite ou bien radicalement des produits
les fonctionnalités. Donc, commençons par le EI Inclusivity. Donc, inclusivité with sense. Donc, c'est des fonctionnalités les smithum d'ahoua with sense EI. Donc, EI, ça veut dire artificial intelligence. Il y a l'intelligence artificielle pour tout individu et organisation. Donc, là, l'intelligence artificielle ou la les domaines ou la guerre les caméras, comme ça on peut toucher guerre nes que ce soit un individu, donc c'est des villas ou bien des magasins ou bien des organisations, donc tout ce qui est usine, tout ce qui est grande installation ou bien grand projet. D'accord. Alors, deuxième tendance, c'est les caméras full color. Donc, c'est des caméras qui peuvent nous donner une vue 24 sur 24 couleurs avec de l'intelligence artificielle embarquée. Donc, c'est ouvrir complètement une nouvelle ère de full color. La fusion intelligente, donc nous allons fusionner plusieurs fonctionnalités en même temps, ce qui n'est pas disponible auparavant. Le EI multicaméra, donc c'est l'intégration intelligente entièrement structurée et la mise à niveau de la technologie d'image, donc Comprehensive Upgrade of Image Technology. Alors, on commence par l'exclusivité de WeSense EI pour chaque individu et organisation. Donc, le WeSense, l'objectif de WeSense, c'est d'intégrer une intelligence et d'avoir une exclusivité des produits avec une configuration qui est vraiment très facile. Alors, l'inclusivité de l'intelligence artificielle signifie que cette technologie doit être facilement accessible pour diverses entreprises ou bien individus. WeSense se concentre sur les humains et les véhicules, bénéficiant à tous avec des fonctions intelligentes, une configuration simple et des produits inclusifs. Alors, l'amélioration des performances et réduction des coûts. Donc, si vous voyez, c'est la courbe ou bien donc la courbe d'IEL-Chemin ou la courbe d'IEL-Intelligence ou bien les fonctions d'intelligence artificielle. Donc, en 2010, l'intelligence, donc le coût d'IEL, alors aujourd'hui, on est à 2020, donc le coût, ou l'intelligence, donc même les produits, des intelligences avancées. Alors, les points forts. Donc, vous allez vous concentrer sur des vrais scénarios de sécurité à travers cette intelligence artificielle embarquée dans les caméras ou bien dans les MVR. Amélioration de l'efficacité des puces d'intelligence artificielle et réduction des coûts. Donc, il fait de la courbe. Grand progrès dans la puissance de calcul, les algorithmes et les données. Donc, bien sûr, tout ce qui est matériel, côté matériel. Donc, les caméras sont très puissantes au niveau tout ce qui est calcul, tout ce qui est algorithme et données, enregistrement de données, etc. La deuxième chose, donc c'est le full color plus le EI upgrade. Donc, nous avons des produits full color. Donc, full color, ça veut dire une caméra qui est 24 sur 24 couleurs. Et là, la technologie est dit. Les quatre technologies instaurées, parce qu'il y a une caméra full color. La première chose, il y a la lentille. Donc, la lentille a une grande ouverture par rapport aux caméras. Le capteur, il est plus performant par rapport à un capteur normal. Donc, c'est 30% par rapport à un capteur normal. Les circuits, les capteurs
Clairement, ou là, plus performant que les circuits les canons disponibles sur les caméras qdem. Et le warm light, ce sont des LED, les petites LED, les kininaya, les que tu vois maintenant. C'est des LED, les qui qdro, la nuit, donc qui chalot, ou qui atteignent la vue couleur 24 sur 24. En 2018, donc, on aurait les produits Starlight Plus. Donc, Starlight Plus, pour avoir des même des conditions de lumière faibles, donc on a l'avion en couleur, mais full color. Donc le full color, c'est vraiment des conditions de lumière li nazlin bzaf bzaf bzaf. Même on va voir il a mazal adna le waqt, غادي نشوفو des vidéos qui montrent la différence entre caméra de portable, elle est vraiment magnifique, et une caméra full color, elle est 24 sur 24 couleurs. Non, c'est pas des LED IR, c'est des LED avec lumière réelle. Donc, Hadi, machi des LED IR, c'est des LED qui chauffent réellement. Donc, l'IR qui atteint une image, elle fait rare le biais de l'khal. Donc blanc et noir. Pour les LED avec lumière, donc il y a tant les couleurs, mais si blanc et noir. Alors avec les caméras, Kenin des caméras, les firmes de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est protection périmétrique, tout ce qui est smart motion detection, donc la détection de mouvements intelligente, la détection faciale. Il peut détecter les visages des personnes et les comptages de personnes. Ce qui concerne la résolution, donc, il est disponible en, donc, ces produits disponibles en 2 mégapixels, 4 mégapixels, 5 mégapixels et 8 mégapixels. Donc la résolution 4K. Double objectif, donc structure à double lentille. Donc vous pouvez avoir deux lentilles pour avoir plus de visibilité ou bien plus de. Comment dirais-je, de détails d'image et des algorithmes de fusion de lumière double. Donc, on va par la suite les produits avec double lentille. Et ces réalisations, donc, ils sont disponibles via les séries Chkreben, les Kainin. Donc, entrée de gamme, la série Light, la série WizSense et la haute gamme, la WizSense. Fusion intelligente, donc flagship AI. De définition de scène. Donc en 2018, voilà je nous can mettre à niveau vers l'algorithme de deep learning, donc quand l'intégration des fonctionnalités de deep learning, donc le lancement des produits équipés de fonctions d'algorithme deep learning, tels que le comptage des personnes, l'analyse stéréo, la reconnaissance faciale, la détection faciale, etc. Donc en 2018, peut-être l'intelligence, mais ma catch a le pouvoir en un encadrant dire plusieurs fonctions en même temps. Donc en 2019, il y avait une commutation en multi-intelligence, ça veut dire on peut activer cette fonction et par la suite on peut activer une autre fonction. Donc dans la même caméra, on peut avoir plusieurs fonctions, mais qu'on peut activer ou qu'on dira l'autre. Donc un appareil est équipé de plusieurs fonctions et les utilisateurs peuvent changer de fonction avec une seule touche en fonction de différents besoins sans redémarrer l'appareil. Donc, il y a beaucoup de fonctions que nous pouvons choisir. Par la suite, nous pouvons choisir. Donc, je désactive celle-ci et j'active l'autre fonction. Et comme ça, sans redémarrer l'appareil. Donc, si on retire l'appareil ou on l'allume, donc automatiquement, on choisit la deuxième fonction. سي احمد دونك غير حاولت Alors, en 2020, donc les produits d'aujourd'hui,
Donc, il permet une fusion intelligente. Donc, plusieurs fonctions intelligentes peuvent être combinées par paire pour répondre à différentes exigences fonctionnelles dans la même scène. Donc, caméra FDA, elle a besoin des intelligences, les embarquer fait, ou quand on peut activer plusieurs choses sur la même caméra. Donc, on peut choisir FDA, fonction FDA, il y a une activée, mais quand on peut activer plusieurs fonctions. L'algorithme est plus adapté à la scène et reflète la valeur de la solution. Alors, multicaméra, intégration intelligente, entièrement structurée. Donc, un seul appareil. Donc, il faut que tu fasses un qui appareil ou donc, device caméra FDA peut répondre aux exigences de vidéosurveillance panoramique multivue, multirégionale et multifonction d'une scène. Alors, il y a les fonctions ADIN. C'est des caméras ADIN. Par exemple, il a une vue panoramique avec une vue de caméra PTZ. Donc, il faut bien évidemment poser plusieurs caméras fixes avec une PTZ et par la suite, dire ça la vue panoramique. Alors aujourd'hui, on a passé vers les multi-caméras ou bien multi-sensors. Donc, il y a des caméras avec la partie, c'est panoramique, c'est une vue panoramique, et la partie, c'est une caméra PTZ. Donc, aussi pour le modèle de caméra, donc, c'est ce qu'on appelle les handheld. C'est un deuxième type de caméra. Donc, il est équipé par plusieurs lentilles ici. Donc, il est disponible en quatre caméras, donc quatre lentilles. Il est sur une lentille Lula, Chania, Chelcha, Raba. C'est pour assurer une vue panoramique. Et pour, il y a une deuxième version qui est équipée par les capteurs, les caméras. Donc, les caméras, le champ de vision de 360 degrés. Alors, qu'est-ce que tu fais avec 360 degrés quand même là? Donc, il y a la vue que tu comptes panoramique, plus la bulle qui est là, c'est une caméra PTZ. Donc, il y a, par exemple, il y a la vue qui est là, 360 degrés. Donc, je peux choisir la place maintenant, on chille la caméra PTZ, les quatre dates zoomées à l'air. Donc, il y a de la caméra à dire, quatre dates zoomées à l'air, les emplacements. Les canchoufums panoramique. Et toujours la vue panoramique, qu'est-ce qu'on va pas? Donc, on a dit, mais on dit la vue panoramique, mais on a la vue d'IL PTZ, il y a le détail, il y a le détail, le bridge, un chauffe-eau. Quels sont les deux modèles? Donc, c'est des modèles, les firmes qui ont des caméras, maintenant plusieurs lentilles, donc, il y a une vue panoramique, donc disponible en bullet, disponible en zoom. Ou qu'il y a la caméra, on chauffera par la suite. Alors, quels sont les points faibles d'un capteur unique? Parce qu'on dit a la solution. Donc, petit champ de vision, une basse résolution, sans fonction AI, scène d'utilisation unique, plus d'appareils nécessaires, le coût de main-d'œuvre est élevé. Donc, je vais installer une seule caméra, je dois installer plusieurs caméras et avec plusieurs câbles. Alors, le passage vers le multicapteur, ça va nous donner une large couverture, une haute définition. Donc, on peut arriver jusqu'à 32 mégapixels par caméra. Intelligence artificielle améliorée, adaptation multiscénario, des panoramas avec détails et intelligence de fusion. Mise à niveau complète de la technologie d'image. Alors là, avec les produits de haut de gamme, mise à niveau vers le 4K. Donc, on parle de 8 mégapixels, de 4 mégapixels et plus. Les petites cibles peuvent être facilement reconnues. Alors là, on parle pour le 4K. Ça va nous faciliter énormément la tâche pendant l'activation des fonctions d'intelligence artificielle. Donc, il va nous aider, par exemple, dans la partie smart tracking, pour traquer tout ce qui est humain ou bien véhicule ou bien tout objet en mouvement.
Il va nous donner plus précisément les métadonnées des véhicules et des personnes. La détection faciale va nous donner plus de détails sur la détection faciale, la reconnaissance des visages, la protection de la vie privée, donc pour détecter les visages et les cacher, et la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Donc, bien sûr, ces caméras, ils sont disponibles avec des capteurs qui peuvent être installés dans des endroits ou bien dans des conditions avec un minimum d'illumination, des résolutions à partir de 2 mégapixels jusqu'à 12 mégapixels. Donc, on parle pour chaque caméra. Donc, il y a des caméras, comme on a déjà vu, des caméras avec 8 capteurs. Donc, chaque capteur avec 2 mégapixels, ça va nous donner 16 mégapixels ou bien plus. Taille de capteur, donc c'est à partir de 1 sur 2,8 pouces jusqu'à 4 sur 3 pouces. Et des zooms optiques qui peuvent arriver jusqu'à 60 fois. Alors, passons maintenant aux produits généraux, système de produits et l'introduction des nouveaux produits. Alors là, on commence par système WithSense. Alors, les systèmes WithSense, ils sont équipés, donc disponibles premièrement en caméra normale et en caméra PTZ. Alors, voilà, si vous voulez activer le micro, si vous pouvez le désactiver, l'écran. Alors, pour la série 3, IPC WithSense, la série 3, donc, il y a une intelligence artificielle liée à la SMD Plus, donc la détection de mouvements intelligente, qui se base seulement sur les personnes et les véhicules, ou qui se base avec chez l'autre. Donc, par exemple, on dit la scène, il y a par exemple, il y a les arbres qui bougent, il y a des animaux liquides aux eaux, il y a des véhicules liquides aux eaux, il y a des personnes. Alors, parce qu'on a activé le SMD Plus, normalement, on a dit activer la détection de mouvement, la personne et véhicule. Donc, il est ici, automobile là. غادي كابتشوري وغادي يعطيني غادي يبدا ليا لا ديتيكسيون دو موفمون الى داز شي بيرسون يعني شي راجل ولا شي مرا داز مثلا قدام لا كاميرا ديك الساعه غادي لونسي ليا لونجيسترمون قبل اشنو كان المشكل كان اي موفمون في لا سين كيعطي معاه ديتيكسيون دو موفمون يعني كيبدا اي اونجيستري سا فو دير شجره كتحرك غادي يبدا اونجيستري شي قط داز من قدام الكاميرا غادي يبدا اونجيستري دونك لو اس ال لا فونكسيون اس ام دي بلس يل بيرمي لو فيلتراج ديال هاد لي زيفينمون كاملين ولا ديال هاد لي زيليمون كاملين و كات تلونسي لونجيسترمون سولمون بور لي بيرسون اي لي فيهيكول لا ميم شوز بور لا بروتيكسيون بيريمتريك دونك بور لي فونكسيون اي في اس اللي كانوا شحال هادي في لي برودوي اي بي ou les produits d'Awa. Donc, quand tu protection périmétrique, je trace le carreau, quand je trace le carreau, je trace le place, ou le litre de le carreau, que ce soit personne, que ce soit véhicule, que ce soit warqa, que ce soit donc, avec le périmètre qui est à intrusion. Alors, aujourd'hui, avec les produits WithSense, seulement les personnes et les véhicules qui détectent la protection périmétrique. Donc, très une personne avec le carreau qui a tracé qui a atteint l'alarme. Ou très l'automobile qui a atteint l'alarme. Ou très le chez Hajakhra. Chez Moche ou chez Kelb ou chez Haja. Ou très l'automobile le périmètre, il ne va pas détecter, il ne va pas me lancer une alarme. Donc, comme quoi les alarmes qui ont lieu en dehors de Kema. Mais je ne sais pas si je ما كانش عندهم قيمه بويسكو طول طون كيجيونا لي زالارم داز غير مش كتعطيك الارم داز غير شي حاجه تحركات كتعطيك الارم دونك كوم سا ما كنبقاوش نديوها في هذوك لي زالارم اللي كيجيونا الوغ اجوردي افيك لو اس ام دي بلاس اي لا بروتيكسيون بيريمتريك دانتيليجونس ارتيفيسيال دي زالغوريثم دي ديب ليرنين دونك اون ا بو اليميني كاع هذوك لي سورس الاخرين ديال لي زالارم ونخليو غير لي بيرسون اي لي فيهيكول
Alors, les produits sont disponibles. La série, donc des caméras bullet, des caméras dôme, des caméras eyeball, aussi pour la gamme varifocale, donc en bullet et en dôme, c'est des nouveaux produits à dos, donc disponibles en 2 mégapixels, 4 mégapixels, 5 et 8. Et pour la gamme PTZ 800, c'est la même chose, donc c'est la protection, c'est la SMD Plus, plus la protection périmétrique et aussi la détection faciale. Il permet la détection faciale. Donc, il y a des nouveaux modèles disponibles. Donc, disponibles en 2 mégas, 4 mégas et 8 mégapixels. Alors, voilà les fonctionnalités disponibles la gamme, la troisième série et la série PTZ 800. Donc, il y a le SMD Plus, les Shahna Deva. Smart H265 Plus pour avoir une optimisation au niveau de l'espace de stockage, donc la bande passante et aussi l'espace de stockage, la protection périmétrique, la détection faciale et des capteurs Starlight pour des conditions de lumière très basses et pour tout ce qui est protection, indice de protection, donc le IP67 et indice de vandalisme, donc le IK10. Système de produit full color. Alors, il est disponible en entrée de gamme, disponible sur la gamme Light, disponible sur la gamme WithSense et disponible sur la gamme WithMind, c'est la haut de gamme. Alors, il faut bien noter l'information, Hadi, c'est que pour les petites et moyennes entreprises, donc, lorsqu'on parle des magasins, les Chouïe Kbar, ou là, par exemple, des projets petits et moyens pour les petites et moyennes entreprises, donc la gamme la plus adéquate pour le type de projet, il y a la gamme Light. Faut bien noter l'information. C'est la gamme Light. Il y a les gens qui ont proposé le type de projet. Bien sûr, si le client il demande une intelligence, on peut lui proposer la WithSense pour avoir la SMD et la protection périmétrique. Bien sûr, il y a deux séries. C'est la série Light, l'IMFH, a de l'intelligence, il y a une intelligence à IA, et la série AI Light, ça veut dire intelligence artificielle Light. D'accord? Donc, l'IA, la WithSense. Donc, là, on peut leur proposer la Light, et la série Light pour les petites et moyennes entreprises. Et il y a un besoin pour tout ce qui est intelligence, donc on peut leur proposer la WithSense. Bien sûr, si vous voulez passer vers de l'intelligence avancé, donc on passe à la série WithMind. L'IFA, qu'est-ce qu'on fait à la détection faciale, qu'est-ce qu'on fait à la détection ou bien la reconnaissance de visage et pas mal de fonctionnalités. Système de produits général WithSense. Alors, là, je vous débat la série WithSense, WithMind plutôt, je m'excuse, donc c'est la WithMind. Alors, maintenant, la série 5. Il fait plusieurs produits et plusieurs références disponibles en 2 mégapixels, 4 et 5, 8. Alors, la série 5, WithMind. Maintenant, les fonctionnalités disponibles, c'est la protection périmétrique, la détection faciale et le comptage de personnes. D'accord? Donc, ce qui concerne la série 7, WithMind, toujours en WithMind, donc il est disponible en 4, 8 et 12 mégas. Pour les fonctionnalités disponibles, c'est la protection périmétrique, la détection faciale, la reconnaissance de visage, comptage de personnes, la protection de la vie privée des personnes, les métadonnées vidéo et la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Donc voilà, il y a pas mal de nouveaux produits disponibles. La série WithMind, donc c'est une série spéciale, un petit peu spéciale pour. Disponible avec deux lentilles.
Donc, il est principalement dédié pour le comptage de personnes. Et pour les fonctionnalités disponibles, donc, on peut analyser le flux de passagers, on peut compter le nombre de personnes, il nous permet la protection périmétrique, la détection faciale, et il est équipé par des avertisseurs sonores, par un avertisseur sonore plutôt. Et la dernière série, c'est la PTZ WizMind. Donc la PTZ WizMind, il est disponible en 2, 4 et 8. Et pour les fonctionnalités disponibles, c'est la reconnaissance de visage. Donc, il est disponible pour reconnaître le visage, pas seulement détecter le visage, mais reconnaître aussi le visage. Assurer le smart tracking, donc le suivi des cibles, la protection périmétrique et les métadonnées vidéo. Alors, toujours dans la gamme WizMind. Donc, nous avons des caméras multicapteurs plus PTZ série. Alors, si vous pouvez voir ici, une caméra qui est disponible avec plusieurs capteurs, c'est un capteur, voilà. Donc, ici, c'est 16. Ça veut dire qu'il y a 8 caméras avec 2 mégapixels. Donc, 8 caméras avec 2 mégapixels, ça va donner combien? 16 mégapixels avec une caméra PTZ. Il est disponible en version 8, ça veut dire 4. 4 capteurs est disponible aussi en version 24 mégapixels, ça veut dire 4 mégapixels par caméra. Ça va nous donner combien de... Pour les fonctionnalités disponibles dans cette caméra, c'est le crowd map et le smart tracking. غادي نشوفو par la suite شنو manage هاد le crowd map اللي هي مهمة بزاف puisque هادي il assure une vue panoramique, donc la vue panoramique كتعطيك واحد لا فيو اللي كبيره بزاف باش كتقدر تسوبرفيزي دي زوندغوا اللي كبار بزاف. الوغ هنا كتسهل لنا سميتو او ليو باش غادي انستالي انا 8 ديال الكاميرات بلوس وحده بي دي زد دونك انستالي كاميرا وحده فيها هاد لي فونكسيون هادو كاملين. دونك كاينه هاد لي سيري هادو اللي فيهم هاد لا فيو بانوراميك حتى هي كدور. دونك هنايا لا فيو بانوراميك كتقدر تدورها اي لا بي دي زد كتقدر تزومي بها. Donc, il y a les deux versions, plus c'est des projecteurs laser ou bien des radars. Donc, il y a des protections pour les fonctionnalités disponibles. Donc, c'est la protection périmétrique, la reconnaissance de visage, smart tracking, donc le suivi des cibles, les métadonnées vidéo. Pour les caméras multicapteurs splicing series, ça veut dire. C'est des caméras équipées par plusieurs lentilles, mais il y a des lentilles qui ont une vue. Donc, il n'y a pas de différence entre eux. C'est ce qu'on a ici, c'est le splicing. Splicing, il n'y a pas de différence entre la vue, le capteur et le capteur. Tu vois une image différente. Ici, on peut avoir cette fonction, donc le crowd map et la situation des véhicules, on peut analyser la situation des véhicules. Pour le deuxième modèle, ou le multicapteur non-splicing series. Donc, il y a des caméras qui sont derrière la bulle, il y a des caméras. Mais la différence entre Hadi ou Hadi, c'est que Hadi peut être orienté. Donc, on peut faire la partie Hadi. Ou on peut orienter les caméras d'Yali selon le besoin de la scène. Donc, je peux orienter la caméra vers le sens, je peux orienter la caméra vers le sens, je peux orienter même la caméra vers le sens où c'est un appui pour Hadi, parce que je peux orienter là. Donc, c'est orientable de chez l'ISMOA non-splicing series. La série WeSense 3 de produits UHD. Capturez clairement et concentrez-vous sur ce qui compte pour vous. Alors maintenant, c'est une différence entre une caméra HD et une caméra 4K. Donc voilà, vous pouvez voir la différence les détails. Donc maintenant, on a zoomé sur l'œil d'une personne. Voilà la différence. Donc maintenant, zoomer. باش غادي نوصلو غادي تقدر توصل حتى لهنايا العين باش غتوصل لا ريزولوسيون ديال هاد الاش دي مازال غادي تعطيك بلوس دو ديتاي داكور دونك هادشي علاش كنستعملو
Le 4K pour la reconnaissance de visage, donc maintenant plus de détails. Donc, بالنسبة لهذه les caméras, ils sont facilement configurables. Application large axée sur les hommes et les véhicules. Des images plus claires avec une résolution allant jusqu'à UHD. Donc, on parle de 4K, etc. Nouvel algorithme AI pour plus de précision et plus. Donc, plusieurs modèles disponibles pour votre choix. Donc, voilà aussi, on peut avoir une idée sur le SND. Donc, pour les caméras HD, quand on peut détecter des personnes à la masafa, alors, avec des résolutions les chouïa, donc, d'abord, si la personne chouïa. Pour le 4K, donc, nisbel SMD, la version SMD 2.0, donc, peut être activé avec un seul clic. Et de détecter plusieurs, donc plus, il détecte précisément les cibles. UHD, donc c'est des caméras 4K, pixels plus élevés, détails plus clairs. IVS, donc il est disponible pour ça veut dire les fonctions IVS, qui est une forme l'intrusion. Tripwire, ça veut dire le franchissement de lignes, qui est vraiment concentré sur les personnes et les véhicules. Donc, il va filtrer les images quand on a juste les personnes. Il va nous lancer des alarmes seulement sur les personnes et les véhicules. Des capteurs Starlight pour améliorer la clarté de l'image dans la nuit. On passe maintenant à la partie ou bien des caméras qui sont équipées par des avertisseurs sonores et visuels et bien sûr des caméras full color. Donc, c'est des caméras. Donc, c'est des caméras qui font une grande ouverture de la lentille, équipées par des avertisseurs lumineux, les des LED, donc, le truc de la police. Donc, comme ça, il peut attirer l'attention des personnes. Donc, il peut facilement attirer l'attention des personnes. Et donc, le clignotement, le bleu et le rouge, avec donc, clignoter. Donc, comme ça, les couleurs, augmenter la puissance de la conversion bidirectionnelle, donc équipée par des micro-dés et des haut-parleurs. Illumination, lumière chaude, donc c'est équipé aussi par des LED, les full color. Voix personnalisée répond aux besoins de divers choix. Donc, il y a qu'un chauffe-eau, les choix qu'on peut utiliser, où on peut installer ce type de caméra. Donc, tout ce qui est villa, parking, etc. Surtout des villas, donc c'est plus adéquat pour les villas, pour les parkings. La série de PTZ. Donc voilà. Voilà les fonctionnalités disponibles de la série 5. Donc il est disponible en 45 fois le zoom optique, résolution 4K. Voilà la taille du capteur. L'installation très facile et il n'y a pas assez de bruit lorsque vous manipulez cette PTZ. Conception invisible de l'objectif. Donc, ici, si vous remarquez, donc, la lentille est en noir, la partie. Donc, comme ça, il y a la différence, mais bien, wesh, le capteur qui chauffe, ou le jambe diala, ou le chahaj qui chauffe. D'accord? Donc, la couleur de l'objectif. Alors, réduire l'inconfort, sentiment dans les espaces publics, donc pour garder la vie privée des gens, prévenir les comportements de non-surveillance, les fonctions AI disponibles, la protection périmétrique, la détection faciale, le SND Plus et le auto-tracking. Voilà les scénarios qui sont possibles avec le type de caméra.
Donc, idéalement dans les musées, les villas, les clôtures des entreprises. La caméra double objectif polychrome pour une nuit plus brillante. Donc, il y a des caméras avec double objectif, double lentille. Une lentille qui une vue donc couleur, et une lentille qui une vue blanc et noir. Et au niveau de la caméra, qui connaît le mélange entre les deux images, les humains qui la vue, les qui sont très, 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 vraiment très clairs par rapport à une caméra avec lentille. Donc voilà. Donc, les caméras, ce sont des caméras double lentille, disponibles en 2 mégapixels, 4 mégapixels. Les fonctionnalités disponibles, c'est la détection faciale, capture de visage et la protection périmétrique, donc tout ce qui est franchissement de ligne et intrusion. Comptage des personnes, il peut compter les personnes, traversée de ligne et région pour comment dirais-je, il y a un drone les files d'attente. Anti-poussière et étanche, donc l'indice de protection c'est IP67. Les produits phares de l'intelligence, des produits équipés par des fonctionnalités d'intelligence artificielle en temps réel et 4K, donc ça c'est la haute gamme des produits. Intelligence 12 mégapixels, donc c'est des caméras avec 12 mégapixels. Fréquence d'image disponible, c'est 30 FPS avec cette résolution toujours en 12 mégapixels. Une haute performance, donc il est disponible avec 5 flux. 5 flux pour utiliser ces flux pour plusieurs utilisations. 3 flux parmi ces 5 flux, ils sont HD. Fonctions multi-intelligentes, donc ils sont équipés par les fonctions métadonnées vidéo, reconnaissance des plaques d'immatriculation, comptage des personnes, gestion des files d'attente, protection périmétrique, détection faciale pour répondre aux exigences de différents scénarios. Et une haute efficacité, donc une touche pour changer la fonction intelligence, c'est juste une simple configuration pour changer d'une configuration à une autre. Plusieurs modes d'alimentation, puissance de sortie, donc vous pouvez avoir des sorties pour les combiner avec d'autres éléments, par exemple des barrières, des couloirs rapides, etc. Économiser les coûts de main-d'œuvre, donc comme ça, vous pouvez rapidement installer votre produit sans avoir des difficultés. L'un des nouveaux produits disponibles chez Dahua, c'est la caméra Polar Light. Donc voilà, équipée par un petit projecteur, ce qu'on appelle c'est un projecteur avec ce qu'on appelle la lumière polaire. Donc c'est le Polar Light, grâce à la technologie de fusion multispectrale et l'algorithme de fusion d'image, la technologie Dahua Polar Light peut réaliser une image couleur dans un environnement à très faible éclairement pour offrir une meilleure expérience. Donc voilà, vous pouvez voir la différence entre caméra 4 mégas, donc Starlight Plus. Voilà les détails du visage avec Starlight Plus. Donc là, on parle de Starlight Plus. Starlight Plus, c'est l'un des capteurs les plus évolués dans nos jours. Donc voilà ça veut dire les détails du visage. Dark Fighter X, donc c'est une référence de la caméra. Donc, les détails du visage. Et la caméra Polar Light, voilà le détail du visage. Donc, c'est vraiment très, très clair par rapport à les deux autres images. Donc, les points forts des caméras, c'est le Polar Light 2.0, Multispectrum Fusion, Dual Light Fusion, Perimeter Protection, métadonnées des vidéos et reconnaissance des visages.
Alors, passons maintenant à la caméra. Alors, on a dépassé le temps pour cette présentation. Je vais passer rapidement. Alors, la caméra de comptage des personnes. Donc, c'est une caméra qui nous permet essentiellement, ou bien sa fonction principale, c'est le comptage des personnes. Donc, il est équipé par une double lentille qui peut obtenir des informations 3D de chaque cible de l'image. Parallaxe à double objectif, ce qui peut filtrer une partie des erreurs par des algorithmes deep learning. Alors, Health Camera ID, équipé par la fonction de comptage de personnes, gestion des files d'attente, détection de visage, etc. Donc, vous pouvez par la suite voir quelles sont les fonctionnalités disponibles faites de la caméra. Aussi, il y a une autre référence de la caméra, l'IFE a plus de fonctionnalités. Donc, il y a d'autres fonctionnalités. Les disponibles fait de la partie Hadi, de la caméra plus précisément, on va inshallah la partie technique, comment installer cette caméra, quelles sont les recommandations d'installation, donc tout ce qui est hauteur, tout ce qui est angle d'inclinaison, etc. La caméra OIS PTZ, donc il y a la fonction OIS, c'est pour stabiliser la vue de la caméra. Sais pas pourquoi je ne peux pas lancer des vidéos ici. Une vidéo, non? Je vais rapidement stopper là. Non, j'aime bien. Alors voilà, donc il y a la fonction Optical Image Stabilization. Donc il y a la stabilisation de l'image. Voilà, donc même si je zoome à voilà que l'image là est off. D'ailleurs, désactiver, vibrer la caméra PTZ, surtout pour des zooms. Si j'active la fonction HADI, automatiquement, plus de précision, bien plus de stabilité de la caméra HADI. Donc, la caméra, va détecter aussi le stationnement illégal. Voilà, l'emplacement de marche est stationné fait. Donc, je peux le détecter. Ou que j'attaque, alarme. Ou je fais l'emplacement. J'attaque la plaque. Dialo, la couleur, le véhicule. Donc, c'est ce que par la suite. C'est des fonctions. La caméra. Donc la série panoramique donc la version disponible en panoramique version ou la PTZ version. Il y a des lentilles pour une vue panoramique ou il y a des lentilles mais orientales. Donc il y a le crowd mapping donc c'est une vue panoramique. Il est surtout donc, c'est le jeu de l'être là. Donc, il y a vraiment un 4 capteurs. Il y a 180 degrés. La scène, c'est 180 degrés. Les caméras équipées par 360 degrés, ils ont mis des capteurs. Les capteurs, par exemple, dans la caméra. Donc, je peux l'installer, par exemple, ici. Je peux installer le rond-point. Ou j'atteins la vue de la scène caméra. Donc, il y a la vue. Les capteurs. Quand tu m'as chauffé. Ou bien, c'est le crowd map, le crowd map, ça veut dire que tu as le flux de personnes, ou le rassemblement de personnes, que tu as le en rouge. Donc, là, je suis, non? Donc, là, que tu as
en rouge. Il y a les personnes qui ont besoin de en rouge. Donc, il est fait le nombre le rassemblement. Donc, tu marques chaque attaque alarme qu'on peut avoir quand tu soit chez une manifestation ou là chez Hajj Palakan. Et mais il y a aussi, il permet, il y a une question de l'emplacement, les véhicules, les Kénin. Comme ça, quand on a fait ce qu'il y a chez Boujon, fait le blanc, le trafic d'Yann Nagadim Zian ou là qu'il y a un accident, on l'a fait de chez Hajj Palakan. Donc voilà la vue des caméras. Donc, les espaces, ou des parkings, la protection périmétrique des hommes, etc. Maintenant, tu as une question de chauffe, le nombre de véhicules, les canines, etc. Aussi, pour la lentille, donc, tu as une question de lentille. C'est-à-dire que la lentille, tu as un endroit, un seul câble, que deux ou le switch ou le MVR. Donc, un seul câble qui a une question de les caméras. Voilà donc cette idée je finis cette chose par la suite je crois les fonctionnalités ou les spécifications en détail. C'est la caméra PTZ avec vue panoramique. Et là c'est une caméra qui fait cette idée les métadonnées. Donc les métadonnées le visage d'Yalo, qui fait le visage, des caractéristiques d'Yalo capturé. Par exemple, le visage d'Yalo, donc les caractéristiques pour le visage. Et par la suite, le corps humain, les fonctionnalités, les caractéristiques d'Yalo, le corps humain, même chose pour les véhicules, tu as Mohamed Tchach, et tu as attaqué les véhicules. Donc voilà, vous pouvez voir Hachi par la suite. Donc, maintenant, la partie Hadi Chayen, rapidement. Les produits disponibles, il y a une caméra anti-oil, donc l'anti-oil équipée par la partie de verre. Qui couvre la lentille, les huiles, une fois que tu as la chaleur, tu as la chaleur. Par contre, les caméras, il a la chaleur, tu as la chaleur. Donc, la caméra, fait l'option de la chaleur, tu as la chaleur automatiquement. Donc, parmi les avantages des caméras, il est anti-oil, anti-huile, protection périmétrique. Donc, il permet la protection périmétrique et il prend en charge la classification des véhicules et des humains et recherche intelligente. Donc, il aimerait avoir plus de détails sur les produits. Donc, tu as la référence, tu tapes le site web officiel, pour que tu saches les fonctionnalités de la caméra. La caméra annotée, la caméra qui supporte la protection périmétrique et le SND. Donc, elle dit c'est une information très importante. Le SND et la protection périmétrique pour la caméra anti-oil. Il y a des caméras qui sont certifiées ATEX. Donc, voilà, ils sont disponibles aussi. Les caméras l'utilisation, donc gisement de pétrole, dépôt de pétrolier et gazier, raffinage, donc des utilisations ou bien des endroits de raffinage et de chimie, des stations d'essence, etc. Et des caméras de ce type, ce qu'on appelle des caméras AI positioning, donc positionnement AI. Donc voilà, il y a
des produits de positionnement IA. Donc, je suis là, ce qu'il fait dedans, justement. D'accord, donc on passe maintenant la partie radar. Donc, la partie radar, Kenin. Des radars disponibles aujourd'hui chez Dahua pour les intégrer avec des PTZ. Donc, les radars, il permet la détection des personnes, fois l'entourage des 50 à 120 mètres, de la référence, et 300 à 450 mètres, de la référence. Elle est disponible en 300 et 450 mètres. Donc, un drone intégré au Hamaha, la PTZ, radar, il est détecté chez cible en mouvement, donc automatiquement la PTZ, le radar détecte la cible. Donc la PTZ, qui est zoomée, qui est la liaison entre le radar et la PTZ, ou la PTZ qui est zoomée, elle a un emplacement et le radar le blason. Ou là, le mouvement. Et finalement, des installations avec énergie solaire. Donc, il y a de l'énergie solaire. Il y a deux versions. Il y a la version modulable. Donc, un drone installé. Donc, c'est des produits d'Ahua. Un drone installé des panneaux solaires avec des box, avec des onduleurs, avec des caméras, avec des switches, avec des antennes de communication, etc. Donc, l'énergie solaire, quand c'est un hafle, d'eau. Donc, un emplacement, je fais d'eau, mais je suis en 220. Donc, dès que ça de l'installation avec panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires, ils sont modulables, ils m'aident à l'assemblage le besoin. Par exemple, il y a plusieurs caméras, caméra PTZ, caméra fixe, caméra, ou la trois caméras fixes, etc. Et donc, je peux moduler, je fais le panneau solaire, je vais dire sniff de l'installation, je fais l'onduleur, je fais la batterie, etc. La deuxième solution, c'est la solution fixe ou bien non modulable. Donc, il y a qui compte le panneau ou bien un kit. Donc, tu attaques un kit, tu fais panneau solaire dédié pour une seule caméra, par exemple, ou bien deux caméras, etc. Donc, quatre qui compte un kit avec une seule caméra. Il fait header, ou que tu le scoffes. Donc, on m'a dit que par la suite, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas ajouter une autre caméra. Donc, seulement un panneau solaire avec une seule caméra. Donc voilà, ou bien sûr, donc le système de panneaux solaires, donc tu peux le surveiller, tu peux surveiller même ça veut dire la consommation d'énergie en temps réel, donc que tu consommes la caméra, les panneaux qui produisaient, etc. Et comme ça, même à la première présentation, il y a les produits IP. Il y a là les produits IP. J'ai comme des questions concernant la partie Ali. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie de IP? Ou bien on passe directement à la deuxième présentation. Oui, Marhaban. Wesh, la série Pro a des boîtes étanches ADF. Ma femme, il est quand même qu'un tchèque à l'affaire pour les usines. بغيت نقول لك اخويا محسن، ايوه وي واش كتسمعني؟ ايوه كنسمعك وي كونسيرمون لي كاميرا مثلا، كيكون دي زوزين بحال مثلا ديال بحال المطاحين ولا لي زوزين اللي كيديروا في الطحين وداك الشيء، داكور وي دي مومون كنلقاو مثلا لي كاميرا مثلا كديرها من اون بواط نورمال ولا كتركبها عادية،
الطحين ولا داك لو برودوي مثلا ديال الصباغه ولا بعض المرات كيكونوا دي زوزين اللي كيديروا الكونكاس عندهم دي كونكاسور ديال الحجر دونك هذيك لا بوسيير دونك انت بغيتي بواط بواط ايتونش افيك انديس دو بروتيكسيون اي بي 67 هذوك دي بواط كيتسموا ا دي اف عندنا حنا يعني يعني ما كيدخلوش ديك الغبره ما كنحيد بعض المرات البلوغ ار جي 45 اون فوا كتدخل لي ديك الغبره ولا هادي ما كيبقاش يدوز والهوميديتي ديال الشتا اكزاكتومون ما بقاش يدوز كل داك الهوميديتي مع الطحين ولا الغبره صافي كيدير لك بحال السيمه لداخل وسط البلوغ وي الوغ بريميرمون بالنسبه لهاد لوكا هذا كاينين دو ريكومونداسيون كون ريكوموند دونك لا بريميير كتشاتاك مع لا كاميرا بيرتو لي بي دونك كتعطيك واحد لو جوان اللي كيكون داخل فيها الا عرفتي اي عرفت دابا هذاك شنو كدير ليه هذاك بريميرمون كتلصقو افيك شويه ديال السيليكون ياك افيك دي سكوتش نوار دور عليه مزيان فهمتك اي لا بواط ايتونش كاينين دي بواط ايتونش شي دهو دونك اي بي 66 اللي ما يخليوش لا بوسيير تدخل Mais le plus important, c'est la manière d'installation. Donc, même si tu as un produit IP67 ou la 8, ou tu as la boîte étanche Diallo IP67 ou la je ne sais pas quoi, chez Haja, fait Haja. Mais la manière d'installation, il y a qui compte faire les faits. Il y a qui dit le fort. Voilà, exactement. C'est un professionnel. Il est un professionnel ou il a dit installé. Donc bien sûr, d'abord c'est un produit qui respecte les exigences, donc IP67, etc. Mais l'installation derrière c'est le d'or. كنخدموا به ولكن بعض المرات كيكون مثلا اللي شاف دو بروجي ولا اللي شاد اللي عاطيك لو بروجي ليك تيقول لك دابا انت واخا كتوري هذاك لو جوان بلاستيك اللي كاين مع الكاميرا تيقول لك لا انا ما تيقنعنيش انا داك لو جوان انا بغيت اون بواط اللي تكون معاها لا شوف لا بواط ايتونش في هاد لي سيتوياسيون راه ضروريه واخا ايتونش غير باش هذاك لو جوان هذاك لو جوان راه خصو يكون ولكن لا بواط ايتونش راه ضروري خاصها تكون معاه دابا مثلا راه المشكل راه بعض المرات اللي تيوقع ولكن دي مومون كيجي هذاك داك السيد اللي عاطيك الخدمه تيقول لك انت حيت بعض المرات يكون لو كليون ما دايرش معاك مثلا كونترا دو مينتونونس ولا هادي شي يقول لك انا ملي كيعطيك لو بروجي اون فوا كتليفري ليه كلي ا مان ما كيعطي دو مينتونونس كديرها ليكيب اللي عنده في الشركه ديال لي تكنيسيان ديالهم لانفورماتيك ولا ديبار اس اي كامل مثلا ديبار سيرفيس انفورماتيك ديالهم هو اللي كيبقى يشد المينتونونس شتي يجي مثلا انا خصك تعطي كونديسيون سيكوريتي الماكسيموم هادشي علاش انا سولت كاينين هادوك لي بواط وي بيان سور كاينين ديسبونيبل هادوك لي بواط انا كنخدم فيهم هادوك لي بواط داك الاو اف 21 واقيلا اللي راه كاري راه كتكون كاري الاي بي بزاف كنخدمو بها وي بيان سور دونك بالنسبه للانديس دو بروتيكسيون راه كاينين دي بواط اتونش افيك ان انديس دو بروتيكسيون كي لي طالع دونك خليوش لا بوسيير ما كيخليوش لوميديتي تدخل لهذيك لي بواط ديال البواط فوالا هادشي اللي قلت لك انا داكور سا مارش ميرسي بوكو نحفظك Alors, une autre question concernant la fonction de détection incendie. La détection incendie, il est radin chauffe à deux, Inch'Allah, pour la deuxième présentation. Bien sûr, on n'a pas respecté le temps alloué à la première présentation, puisque le contenu est cher, qui fait mes choses. Les nouveaux produits, qui n'ont bzef. Alors, on va essayer de rectifier le dépassement du temps. La deuxième présentation, les radicaux, on a les produits thermiques. Voilà, c'est comme ça.
OK, donc la deuxième présentation. Alors, c'est juste.